frappé en défense par Cardinal. Et le revirement, Robida, son tir, arrêt de la mitaine. Pause avec la gobeuse. Tir de Robida qui a profité, vous le voyez là, d'un revirement. Un bon tir poignet. Clairement d'ici, on le voit très bien. Boutin Cardinal au cercle, sur réception. Rondelle disponible, un bâton fracassé. 10-31 en première période, toujours 0-0. Vous le voyez là, il était allongé de tout son long. Et l'Armada n'a pas été en mesure de le déjouer. Il s'est imposé. 54 solés d'isolement. Voilà, c'est dit. 5-33. Oh, ça, c'est une ouverture. Hey, Mick Lucas, son tir, c'est arrêté par le gant de Mécarlo. Mais le but! On n'a pas été en mesure du côté des foreurs, là. Là, était quand même bien exécuté. Territoire Armada. Pelletier, son tir, ça rate. Au retour, le but! Au retour de la rampe. On a été en mesure, Thomas Pelletier, d'envoyer la rondelle. Et c'était presque prévu. Et au retour de la clôture, Alexandre Doucet n'en demandait pas tant. Et c'est 1-1. Aval. Une pénalité là-dessus. Cardinal va s'amener au cercle. La passe à Gendron, son tir et le but! S'imposer avec un tir poignet, la remise de Cardinal était parfaite. Filet désert, ça a peut-être bifurqué sur le gardien de but, Cousineau, et c'est 2-1. Blainville s'impose. Réception, ça n'a pas dévié sur le gardien. Le tir, arrêté en défensive, c'était bien fait. Provo devant et le but! Et c'est 3-2, les amis! Au retour, tout près du gardien de but, Provo, patient, avait vu son coéquipier, le numéro 40, Mick Luca, prendre la vitesse. Et il va s'amener, ça peut être dangereux. Le tir et le but! Vous la voyez juste ici. Quelle rapidité! Le gardien l'a laissé bouger et il bat côté mitaine, partie supérieure. Ça fait mal en désavantage numérique, c'est 3-1. Avantage numérique. Mais Carlum au cercle, c'est pour Michel. Son tir et le but! On donne la confirmation, mais c'est 3-3 à Val-d'Or. Et si Doucet a mis la main là-dessus, c'est son troisième. Et je crois que c'est bien le cas. Le 47, une fois de plus, mesdames, messieurs. On n'a pas été en mesure de finaliser du côté vert et or. Mais Carlum au cercle, c'est bon pour Michel. Son tir et le but! Prennent les devants avec une autre réussite en avantage numérique. Le tir de Michel, ça a dévié sur le joueur de l'Armada. Vous allez le voir juste ici. Voilà, le 92, ça change de direction. Et Cock, une bonne soirée dans le cercle des mises en jeu, mais cette fois, oh, bel arrêt de la jambière là-dessus. Le filet, alors qu'on revoit l'arrêt de la jambière sur cette séquence-là, on parle d'un accrochage, ça. Une seconde de plus, là. Jonca son tir, rondelle disponible devant. Et quel arrêt de Cousineau! Vous voyez ici là, les deux, trois récents arrêts importants là, de une fois là sur Denis. Et au retour, voilà le retour.